Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Il pleut, regardez. Ma pauvre petite Luna est sous la pluie pour son deuxième jour. Alors, qui que je vais pas rater? On a vu bonjour Catherine, Masse Coucou Juju, Lucas, Pika, Mandine. Merci Pika pour le host. Merci tout plein. Et je redescends pour ne pas louper. Et bonjour Gailou. Ah, j'ai fait un autre pseudo, je l'ai plus. Ah, c'est Nella. Coucou. Du coup, j'ai fait la partie aujourd'hui. Oh, coucou Nico. J'ai fait la petite partie qui consistait à ramener les 15 insectes et poissons à Monsieur Thibault, qui se trouve par ici. Il me restera à récupérer du coup du bois, des pépites de fer sur les îles pour pouvoir faire l'installation de la boutique. Je suis contente pour une fois, je sais être là pour le live. Super Nella! Merci en tout cas. Donc sur moi, j'ai déjà un peu de bois, pas grand-chose. J'ai des tickets à Miles Nook parce que j'en ai récupéré chez Emma qui en avait encore pas mal et chez Zabou. Coucou Virginie! Donc objectif. Merci Mandine pour ton 20 petits cœurs d'amour. Merci ton plein. Donc on va partir sur les îles, chercher des habitants. Dans l'idée, j'aimerais bien des habitants que je n'ai pas sur mes autres îles. Et dans l'idée, ben, on va marcher au coup de cœur. Je recherche rien de spécial, juste des petits coups de cœur. Alors avant, on va aller déjà à l'aéroport. Devant, vous voyez, on a nos stocks, on a 49 tickets Miles Nook. On devrait y arriver. Je vous montre mon île que je ne connais même pas moi non plus. Alors je suis arrivée avec Kat. J'étais contente parce que c'est un chat, mais je l'ai déjà chez Emma. Donc du coup, je pense que dès que je peux, je la ferai partir, malheureusement. Et j'ai Biff qui est un hippopotame. Étrangement, normalement, je n'aime pas les hippopotames, mais ce Biff-là, ben, je le trouve super sympa. Donc je pense qu'il va rester un petit bout de temps sur l'île. Il est tout mini, en fait. J'aime bien ses couleurs. Il est tout gentil quand il parle. Je suis assez fan. Donc vous voyez mon île, c'est la première fois que j'ai l'aéroport de ce côté-là de l'île. Je l'ai tout le temps sur la partie gauche ou au milieu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué. Et j'aime bien un peu comment elle est faite. Donc c'est assez sympa. Seul truc, c'est que c'est un petit ponton. J'aime bien les grands pontons, mais bon, tant pis, hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, est-ce que moi, je suis prête d'ailleurs? J'ai tout ce qu'il faut. Donc, on ne pourra pas faire les étages des îles, hein, puisque nos deuxième jours, je n'ai pas l'échelle, je l'aurai demain. J'aurais pu trécher et en ramener une de chez Zabou, mais j'ai pas voulu. Alors, go? Go ou pas go? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Mon aéroport est bleu. Allez, on file. J'espère qu'il fait beau sur les îles, ça changera de la pluie. Parce que là, on est parti pour de la pluie au moins jusqu'à 11h, donc... Ponton, c'est comme tu le sens, mais moi je dis qu'est-ce que je veux, monsieur Kenshu? Allez, Maurice. Tu veux que j'écarte, Nico? Bon, on va voir ça. On a 49 ticots, donc... ticots. Tickets. Donc, du coup... fermer l'accès. Ah, bah oui, c'est mieux. J'ai toujours pas fermé. Oups. Merci pour la vidéo découverte d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Eh ben, de rien. Ouais, je l'ai trouvé très sympa. Il y a des mini-jeux très bien. J'ai pas tout fait encore, donc je sais pas comment sont les autres. Alors, je veux voyager. On va remplir le Dico-Kagé ce matin. Oui, il y a des chances, Pikachu, ça a l'air d'être bien parti pour. Alors, oui, on va utiliser le premier ticket Miles Nook. J'espère qu'il fait beau sur les îles, c'est quand même tellement plus joli, Animal Crossing. Quand il fait beau. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma première île en hémisphère sud. Parce qu'à l'approche de l'hiver, je me suis dit, oh là là, toutes mes îles vont être sous la neige. C'est un peu long, du coup, moi, je dirais celle-là qui sera en été. Merci Mandine. Coucou Elodie. Allez, en route.
Ce qui va être bizarre, c'est de faire Halloween sur cette île-là, alors qu'il sera, on sera pas en automne. Pareil pour Noël. Allez, go! On croise les doigts pour le premier. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent, il fait beau, youpi! Ben nous, il fait super beau là à Metz aujourd'hui. C'est un temps magnifique. Secondaire, oui! Qu'est-ce que tous ces messages bizarroïdes? Kenny cherche quelque chose. Tu peux le... Oh, il met son bras devant moi, j'ai envie de le mordre. Tu veux enlever les petits points? Qu'est-ce que j'ai fait? Mamie Hugo. Manu Hugo, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Merci Pikachu pour la suppression des messages. Je suis désolée hein, si je rate les gens. N'hésitez pas à la limite à redire bonjour deux fois. Zabou, elle est ouh, un petit peu. Donc, sur mon île, mes fleurs principales sont les pensées. C'est pas ce que je préfère. Là, je vois que j'ai des tulipes. Bon. En magasin, j'ai des jacinthes, donc c'est déjà bien. Et le fruit de mon île, c'est les pêches. Là, on a des pêches. Décidément, je loupe tout le monde aujourd'hui. Coucou Audrey! Je suis désolée. Heureusement que les gens en reparlent en bas. Je vais refaire les hybrides. Pas forcément, Elodie, hein, parce que toute seule, c'est pas drôle. Par contre, oui, je vais travailler tous les jours en octobre pour avoir les objets d'Halloween, ça c'est sûr. Mais les hybrides sur l'île là, je pense pas. Peut-être les hybrides des flammes que j'ai, mais j'ai déjà pas fait toutes les faire, c'est sûr. Alors, on va déjà commencer par ramasser des noix de coco. Et je vais ramasser aussi, comme c'est le premier voyage, je vais prendre les cocotiers. Le truc, c'est que j'essaie de me concentrer sur tout. Et il y a du monde déjà! Bah oui, je vais pas m'en plaindre, hein, clairement. Mamu Ego, je ne cherche personne en particulier, en fait. Je cherche des habitants sur lesquels j'aurais un coup de cœur, en fait, tout bêtement. Et que je n'ai pas sur mes autres îles du coup. Hein. C'est un peu ça l'idée au final. C'est trouver des habitants que je n'ai pas. Et qui me tapent dans l'œil. Ouais. Parlant d'œil, les miens ne doivent pas être bien ouverts. Alors attendez. On va aller faire les autres. Ceux-là, je les prends avec les fruits, c'est pas grave. Des beaux, pas des moches. Tu as tout bien résumé. Oh! Mon Dieu! Bah, on est déjà pas dans la mise. Bonjour! Rachida. Bienvenue! Ça va la vie? Je suis Rachida. Tu es sur mon petit coin de paradis, choupi et stylé. Bon, d'accord, c'est pas mon île. Pas encore, du moins. Mais quand je serai une star, je serai très caillou. Les enfants, je suis déjà dans la mise. Non, Audrey, j'ai plus de personnes qui s'appellent Luna, puisqu'en fait, j'ai écrasé mon île de Luna pour refaire celle-là. Donc, oui, ça s'appelle Journée Udo au final, mais il n'y en a plus qu'une. Comment je fais, moi? Elle est déjà super trop chou, elle. Je pense pas qu'il y aura forcément de thème, Catherine, je sais pas du tout. Tu votes non, Nico? Ben, le truc, c'est que j'avais des écureuils, je sais pas. Profites-en bien. Tu votes non? Bon, allez, c'est non. Je vais ramasser. Je dis oui. Bon, il est jamais trop tard. Réfléchissez. Le truc, c'est en prendre tout de suite, ça me dérange déjà.
Je vais faire le tour pour les fruits, je vais casser, taper les arbres de toute façon, donc on a largement le temps de se poser la question. Hein. Déclinons toute responsabilité en cas de regret. Ah, regret, je pense pas, avec j'aurai enfin de quoi faire, mais... Mais non, enfin. Mais pourquoi? Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi vous avez l'air de haut la détester et haut l'adorer? Pourquoi? Certes, elle échoue. Après, c'est pas forcément ce que j'avais en tête. Et c'est pas forcément un coup de cœur non plus, donc... Techniquement, je devrais pas la prendre. Mais on a quand même le temps de réfléchir, le temps de faire le tour de l'île. Elle est trop rose et trop flashy. J'en ai aucune idée de ce que c'est son caractère, Galou. Donc, non. C'est à peu près ça, Audrey. Alors, si on a besoin des caractères, je pense que notre spécialiste caractère est Catherine. Parce que, alors, moi, j'en sais rien du tout. Ouais, mais il y en a trois, Amandine, à aller chercher. Donc, même si je la prenais, c'est pas grave. Je vais secouer les sapins pour faire tomber la guêpe. Bah, les guêpes. Et après, je casse tout. Oh, bonjour, mentor, qu'il est. Voilà. Ça, après, je peux tout casser. C'est une vive. Ok, ok. Ouais, mais je crois que j'ai pas de coup de cœur, en fait. Elle est pas... Elle est mimique et tout, mais... Non, je crois qu'on va repartir sans. Alors. Bon, je ferai pas forcément... n'importe quoi comme ça, si ça, je fais tout le temps. Bonjour à ceux qui arrivent. On est sur la première île, si je l'ai genre à la 30e, j'aurais peut-être dit oui, mais c'est pas forcément un coup de cœur, elle est mimi, hein. Je dis pas le contraire. Bah et donc, tu manques de peps, la petite. Alors. Je récupère les 30 boîtes chaque pour Mélie et Mélo. Ah! Le premier rip déjà. Une fois que j'aurai ce qu'il faut, je serai tranquille. On passera moins de temps sur les îles. Mais ça fait partie du travail du deuxième jour. Et je vais ouvrir la boutique. Ah, coucou Juju. Je crois que j'étais oubliée tout à l'heure. Pourtant, je t'avais vu. Alors. Merci Pikachu. Mais écoute, pour l'instant, ça va. Hein. On va avancer tout doucement sur l'île. Après, quand j'en suis à moi à faire plusieurs îles comme ça, au final, j'ai pas forcément envie de les faire trop vite non plus. Donc... Bon là, il me faut juste les matières premières, c'est pour installer la boutique. Sinon, après, ça va être tout tranquille. Hein. Oh là, il y a beaucoup de bordel ici. Ah bah les chats et les poissons, pas sûr que ça fasse vraiment trop bon ménage. Après, apparemment, c'est reposant pour un chat, un aquarium. Bon, on va ramasser tout ça. Le comportementaliste pour Snow nous avait éventuellement conseillé de mettre un aquarium à la maison. Chose que je n'ai pas faite parce que j'étais sûre qu'avec lui, il le jetait par terre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le petit cagé dans l'aquarium. C'est vrai, Pika.
Bon, on a dit donc qu'on avait Rachida, parce que du coup, j'ai pas pris la photo. Je vais la noter plutôt. Ça m'évitera de remplir ma console avec 3 milliards de trucs. Ben ouais, c'est un peu le problème, mais je pense qu'il faut du coup un vrai aquarium fermé et tout, où ils risquent pas de le faire tomber, où ils peuvent pas mettre la patte dedans. C'est pas le, voilà, la petite boule d'aquarium ne marche pas, je pense, pour les chats, hein, clairement. Alors, j'en suis où? Bah, c'est pas folichon niveau bois. Hein. Hop. Ok. Bon, bah, du coup, on a fait cette île. J'aurais bien voulu retrouver Rachida une dernière fois. Elle doit être par là, je crois. Je vais juste pour faire une photo pour moi, pour me rappeler que je l'ai eue. Allez, on se sauve! Destination, deuxième île. Que j'ai de la place pour aller sur une autre île. Oui, normalement. Je vais retourner sur une île chercher un habitant trop beau. C'est pas grave, Audrey, pour le bois, t'embête pas. C'est pas grave. C'est vrai que je trouve dommage, c'est qu'on a les trois espèces de bois et au final, c'est quasiment que le bois traditionnel qui sert. Et au bout d'un moment... Oh, une île bambou dès le début. Ça, c'est cool. Alors... Je vais manger des fruits pour récupérer les 4 cocotiers. Je vais prendre que les pousses de bambou, je pense. Je vais pas m'embêter à prendre des bambous. Parce que pour l'instant, ça me fait mettre plein de trucs sur l'île alors que forcément, je n'ai pas, j'ai pas vraiment la place. Par contre, on n'a toujours pas de bouteilles sur les plages, j'aimerais bien. Et coucou gnome, comment tu vas? Ben, ça va super aussi. C'est à force de côté les canis, ça devient une patate à... Je deviens une patate à mon tour. Ah bah bravo. Ça va pas, Audrey. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir de bouteilles avec des plants? Oh, on a un peu... Ah non, j'allais dire un fossile, mais non, pas du tout. Pouf. Rounette qui fait des crêpes vous dit coucou. Tiens, Rounette, que je l'aime très fort. Je veux des crêpes, Rounette. Des bisous, Rounette. Bon, on va le chercher, cet habitant, quand même, non? Qu'est-ce que c'est? Ah oh. Ouais, c'est... C'est Norma. Non, je... Non. C'est sans moi. Après, elle est pas mal, je trouve, hein, mais... Comme ça, c'est tes crêpes, tu pourrais partager, Nico! Ah, je sais pas pourquoi, j'aurais presque envie de craquer pour la prendre. Pourtant, c'est pas du tout ce que j'aime comme... comme Pokémon, j'allais dire, mais bien sûr. Le virus K, c'est un peu ça, ouais. Next, hein, on next. Ok, on next. Alors la petite dame Rounette, Kenny va prendre la voiture, il arrive chez vous bientôt, tu...
Quelques crêpes pour midi, ça me va bien. Tu as bu quoi, Zab? Rien. Je ne bois jamais. C'est peut-être ça le souci. Faudrait peut-être des fois. Attraper les tous. C'est un peu ça dans l'idée. Je sais pas pourquoi je vois des Pokémon partout alors que j'ai pas joué à Pokémon depuis X temps, mais... J'avais pas vu. Après, il faudra trouver Aldi et Lidl. Bien fait, Nico. Mais si c'est tous des vaches pas comme ça, non, c'est pas la peine. Ah oui, mais je suis à jeun, hein. Quel chou. Alors, Kenny avait drogué mon pain au chocolat, mais... Ah, crotte de crotte. Je suis bien rempli. Est-ce que j'ai pris toutes les pousses de bambou? Non. Ça, c'est depuis que tu regardes Pokémon TV. Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai téléchargé, j'ai toujours pas regardé. Par contre, je vais regarder parce qu'il y a des séries, des saisons que j'avais pas vues qui sont présentes dessus. Et du coup, ben, j'ai bien envie de regarder. Coucou, Ronat! Il y en a une pile, venez, Nico partagera. T'es sûr, hein, parce qu'il a l'air de vouloir garder ses crêpes pour lui toute seule. Hein. Vu la tête du smiley, non, je crois pas qu'il a envie de partager ses crêpes. Nico, t'es un peu gentil. Et bon anniversaire, Jenny! Donc... Pierre. T'as quasiment vu aucun épisode, Audrey? Je pense les avoir quasiment tous vus. Enfin, surtout les toutes premières. Après les dernières, j'avoue, j'ai un peu lâché. Mais... Là, il y a les perles et diamants et je m'en rappelle plus trop. Donc, ça va être l'occasion de les redécouvrir. Alors, on s'approche de pas mal de choses, là. On va bientôt être libérés de nos cailloux et de nos arbres. Mais pas encore. Oh! Non! Vite! Oui! Mandine, regarde, on en parlait hier. Je sais, mes poches sont pleines. Je vais échanger. La branche, là, on s'en fiche. Hop! Et ben voilà! On a le Taubri-Grillon, sans le chercher, ça c'est cool! Hop, au musée! Quand j'étais petite, j'avais une cassette avec les trois premiers épisodes, et après je regardais ce qui passait à la télé. Mais tu rigoles, je les avais aussi, hein! Je les avais aussi en cassette, après je les ai rachetés en DVD. Et il y en a beaucoup que j'ai enregistrés sur la télé, mais au final, moi j'adorerais aujourd'hui, c'est une une collection complète, ça coûte très cher, mais je m'en fiche parce que je suis trop fan. Et coucou Clucard. Coucou. Bah, contente que tu sois là. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Oui, comment va notre petite Camille après ses premiers jours d'école? Mais je crois qu'elles sont faites, il faut qu'on rentre. Parce que on a un peu un souci de place. Hmm, ouais, j'ai tout pris. Il n'y a pas de plan. Ça, c'est pas gentil. Allez, deuxième île. Au revoir, petite Norma. On rentre. Je veux rentrer. On va aller planter les cocotiers déjà. Attendez, j'ai loupé un truc dans les messages. Qu'est-ce qu'il a dit, Lucas? D'accord. Ah, mais moi, je peux passer une journée complète à regarder des épisodes de Pokémon, ça me dérange pas. Hein. Bon, même si j'aimerais bien qu'ils nous ressortent un petit peu refait quand même les premiers épisodes, parce que... Voilà, le format est pas forcément très sympa à suivre.
Ah, je les ai pas mis bien. Je vous avoue que j'ai pensé à appeler mon île Asymétrie pour me forcer à ne pas faire des choses symétriques. Mais bon, je l'ai pas fait. Parce que je sais que j'aurais pas tenu. Moi, je les ai, avec ma sœur, on les a tous regardés et re-regardés. Et du coup, maintenant que bah, Ethan et la petite ont grandi, on les regarde encore. Et ça, c'est cool. Tu peux regarder les lives de Zabou, de l'Animal Crossing. Oui, de Zabou, pas Animal Crossing. Toute la journée. C'est gentil, Mandine. Oh ! Bonjour ! Eh, il paraît que tu rassembles du matos pour une boutique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Une hache. Mort du rire, tu m'as tué, Zabou. Quoi, à cause de mon asymétrie? C'est ça, c'est une pelle, hein. Ah oui, c'est une pelle. Ok, bon, on va la garder, hein, parce que... Ouais. Ah, j'ai Gulliver, mais j'ai pas fait encore. Ah, mais d'ici, on ira dans une demi-heure, il fait beau, les enfants. Ça, c'est cool, par contre. Bouzabou. Coucou, Valériane. T'as vu ma vidéo de Phasmo? L'ambiance est plus flippante. Je te confirme, c'est plus flippant qu'avant. Les fantômes sont plus réactifs qu'avant. Et ils ont refait les jeux de lumière, donc... ouais, moi je m'y remets un petit peu, mais ouais, il est beaucoup plus flippant qu'avant, je trouve. Et t'as plus cet aspect, bon, je fais attention, le fantôme ne veut pas venir. Parce que des fois, tu te fais attaquer sans aucune raison. Et ouais, il y a plus cette... Quand tu jouais beaucoup pendant un moment, t'avais un petit peu une sécurité, bah là, tu l'as plus. Hein. Est-ce qu'elle est pas belle comme ça, en short, avec ses chaussettes? Franchement, c'est du style, non? Je vais aller ranger d'autres trucs à la maison quand même parce que sinon on va être un petit peu embêté. Si on n'a pas de place sur nous, c'est pas pratique. Oui, c'était bien pour asymétrie. Mais je te jure, je rigolais parce que je dis à Kenny, j'étais en train de faire je sais plus quoi chez Emma. Et je dis genre, mais c'est incroyable d'être obsédée par l'asymétrie comme ça. Je dis tiens, si j'appelais ma nouvelle île asymétrie. Bon, il y aurait que vous qui auriez compris, mais... Je t'avoue que pendant un court instant, j'ai vraiment cru le faire. Et ça, c'est pour Thibaut. Ouais, elle est chou avec ses chaussettes. Je vais aller ranger des choses à la maison quand même. Parce que trois lignes, on les remplit quand même assez vite. Bah, j'avoue que c'est pratique, hein. Bah, toute seule, Valériane, honnêtement, c'est plus facile maintenant que ça l'était avant. Pas du tout, Zabou. Je fais des games toute seule, mais toujours pas du tout, Zabou. On recommence. Je fais des games toute seule et c'est presque plus facile toute seule qu'à plusieurs. Ta santé mentale baisse beaucoup moins vite, mais vraiment beaucoup moins vite. Je vais garder les pêches sur moi au cas où on en ait besoin. Non, le reste, j'ai rien que je peux poser encore. Et on va repartir. Bon, pour l'instant, deux îles. C'était pas des coups de cœur, mais c'était sympa, je trouve, les deux. Et je viens de refaire la photo, encore une fois. Heureusement que je note, parce que... Moi, j'aime bien savoir ce que j'ai fait. Ah, c'était ça, Audrey. Ça vient de Kenny, je pense, le problème, effectivement. Oh, mais il y a plein de lurettes que les fantômes, ils me laissent tranquille, Valériane. Moi, ils m'embêtent plus. Ils sont plus facilement en train d'embêter Kenny. Hein. Après, hier soir, j'ai joué avec Aurore, on a bien rigolé, hein. Alors, ben en route, j'ai fait quoi en fait? J'ai bien cliqué sur MySnook, hein. Oui,
Oui, c'est la faute à Kenny. J'en profite, il me fait mes défis à DBD, alors on peut un peu le critiquer. Non, le pauvre. Il profite que je sois sur ma Switch pour me faire mes défis de DBD. Parce qu'en ce moment, je joue pas trop à DBD, je sais pas pourquoi, c'est pas trop envie. On a toujours des pêches, j'aimerais bien avoir un autre fruit. Du coup, j'ai eu les cerises dans la boîte aux lettres par maman ce matin. Je veux des plans, les enfants. Ils valent pas me donner de plans. Je vais encore reprendre deux cette fois, c'est tout. Bah ouais, pauvre Kenny. DBD! Je crois qu'il joue en tueur, Nico, par contre, sur mon compte. Mais après, si tu veux jouer... Zabou. Oui, bah, Zabou, c'est moi, de toute façon, qui joue tous les bonhommes. Bah oui, tout gentil. J'ai pas fait les arbres sur l'autre île parce que c'était des bambous, forcément, donc on va les faire ici. Il veut plus jouer avec toi, il te dit... Oh, le vilain. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'ils veulent plus jouer avec toi? L'aurais-tu dénoncé? Non, ça c'est lui qui fait ça. Zabou, c'est moi. Oui, c'est ça. Je me perds, moi, dans toutes mes parties. Alors, attendez. On va faire le tour, quand même, avant de casser les arbres. Ah, c'est un... C'est Joseph, le petit canard, je crois. C'est peut-être les vidéos. Mais qu'est-ce qu'elles sont drôles, Audrey, les vidéos de Nico. J'adore. Alors Joseph, je l'aime bien, mais je le prendrai pas, je l'ai chez Ketchupi. Voilà. Présentations sont faites, on se casse. Allez. Ah, mais les vidéos, elles sont trop fortes. Vraiment. Il y a des trucs qui sont trop excellents. Oh, j'ai pas ça pour... attendez. Non, c'est pas ça. Chercher le Saint-Sidèle, là. Hop. Faut que je la mette au musée. C'est un paresseux. Bon, après, c'est pas... Voilà, j'ai pas de coup de cœur pour lui. Je l'avais eu, je l'avais pris une fois, mais là, aucun intérêt. Je pense qu'au niveau pépite, on doit être bon. Je dois en avoir que 30. On va faire gaffe à les donner et pas à les vendre. Ce serait une idée. Hop. Il n'y a déjà plus de hache. Casse-bonbon ce jeu. Bon, de toute façon, du côté là, j'ai plus rien à faire. Donc, je peux aller en rechercher. Et donc, dès que j'aurai les 30, on arrêtera de les faire, hein, vous inquiétez pas. Je vais quand même secouer, parce que normalement, il est censé y avoir un objet sur les îles. Tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Une fois que j'ai lié le gap, j'ai tout coupé, mais... bon, il peut être en haut, malheureusement, parce que j'ai pas accès à tout. Cet après-midi, il va faire un tour en montgolfière, Valériane, mais la classe! Ça, c'est génial! C'est flippant, mais c'est génial! Vous m'avez snob hier soir, Kenny a jamais répondu. Répondu à quoi, Pikachu? Bah, tu sais, quand il joue... Dimanche matin, parfait. Ah, j'ai pas le temps de lire le message de Galou, ça remonte trop vite. Chat sur téléphone et suite sur les genoux. Tu m'étonnes, bonheur ultime, j'avoue. T'as pas le vertige, donc ça va. Bah oui, c'est cool. Et bonjour à ceux qui arrivent, n'hésitez pas surtout à follow. Hein. Promis, on ne mord personne. Enfin, moi, perso, je mords personne. Certains, j'ai des doutes. Mais moi, je mords personne.
Des bisous, mamita. Après, moi, je sais que quand je joue en ligne avec quelqu'un, mon portable, la plupart du temps, il est sur silencieux et je le regarde pas, donc... Du coup, Pépite, on est bon. Et il restera encore du bois. Mais il faut que j'aille chercher la hache. Ça dit, on arrivera à finir sur cette île-là, peut-être. Non, je veux une hache, monsieur. On est que le 5 septembre, je veux être à Halloween. Je prépare tout doucement l'île d'Echico pour faire de la place pour mettre les nouveaux objets. Mais c'est long d'attendre. C'est l'horreur. Du coup, je sais plus les plans pour Halloween. On pouvait en avoir chez les villageois pendant le mois d'octobre. J'ai un gros doute. Je me pose la question depuis hier. Puis il faudra surtout que je dise sur quelle île je fais Halloween, parce que ça sera chez Hachiko, c'est sûr. Je vais récupérer les objets chez Zabou, mais du coup, je pense que dans le zoo, ça pourrait être sympa aussi. La rentrée de ton neveu et de ta nièce s'est bien passée. Oh ouais, ils étaient super contents. Ils m'ont appelé le soir en rentrant. La petite m'a dit « Ma reine, moi, je suis passée au CE1. Hein. » Elle était fière, hein. Ouais, ils s'en donnent, merci Cathy. Elle était fière. Et Tan, il flippe un petit peu plus, le pauvre, parce que CM2 cette année, et après, il va être chez les grands au collège. Et je crois qu'il est pas très rassuré d'y aller, alors... Mais bon, comme je lui ai dit, de toute façon, le collège, c'est pas aussi horrible qu'on s'imagine, et... il est suffisamment bien à l'école pour... Je me fais pas de soucis sur lui, pour lui, il va très bien s'adapter. Oh bah Enola, oui, elle est trop rigolote. Ah puis elle te dit toujours ça avec une fierté. Bon, et moi je suis en CE1, ma reine. Après, ouais, parce que je pense qu'il y a personne qui arrive au collège en n'ayant pas peur. Il y a tellement de changements quand on arrive au collège avec... Bah, fini la maîtresse unique ou le maître qui vous suit. Promener partout dans les couloirs et tout. Et bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. N'hésitez surtout pas à follow la chaîne et à nous faire un coucou dans le chat. Faire des bisous à tes fiels de notre port, mais avec plaisir. Et bonjour Chino. Bienvenue. Non, Zabou. Luna. Je vais relâcher ma tulipe là parce que... Du coup... Ah, on a les bois durs, ça y est. On y est presque. C'est un rythme à prendre. Ouais, mais c'est pas évident au début. Moi, je sais que ça m'avait un peu terrorisé, hein. Parce que bah, tu passes de ton petit confort, hein, t'as ta petite table, tes affaires qui t'attendent tous les jours. Ah, je dois courir partout, j'ai plus ma table, je m'installe où, je fais comment. Voilà, c'est plus trop la même. On a le bois normal, on a le bois dur, il restera deux bois tendres. On est bien. Je vais remonter ça. Et ben on rentre. Ah oui, c'est mieux d'arrêter de tousser, hein, parce que sinon le fantôme il va t'entendre et toi tu vas me faire peur. Mais pas de soucis, Valériane. À l'époque, tu sais, je pense que c'est toujours pareil, Galou, hein, le collège. C'est effectivement, je trouve, la pire période parce que les élèves sont méchants entre eux, très méchants entre eux.
Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, moi c'était du coup il y a 30 ans, c'était pas sympa, hein, clairement. Si tu faisais pas entre guillemets partie de l'élite, bah fallait t'attendre à t'en prendre plein la tronche tous les 5 minutes. Hein. Bah, je sais que c'est toi, Juju, la petite marrante, ça fait 2 fois que te fais coucou. Bon, c'est pas tout, mais on a fait que 3 îles. Ah, c'est compliqué le collège. J'ai pas forcément non plus des meilleurs souvenirs que j'ai de l'école. En primaire, j'étais bien et le lycée a beaucoup changé aussi. Les mentalités étaient déjà différentes au lycée après. Ça, je vais entreposer. Bon, les 10, je peux les ranger. Ah, oh, ça fait bizarre, une maison sans musique, j'aime pas. Du coup. Le surplus, je peux ranger. Ça, je vais me ranger parce que pour l'instant, je vais plus faire de pierre. On va essayer de la faire ici, le dernier bois tendre, comme ça on est tranquille. Reviens, mes Juju. Alors, le soleil arrive. Bois tendre. Allez, encore un, normalement c'est bon. Ouais, bah c'est bon, on a ce qu'il faut. Alors, je dis pas de bêtises. On a tout en 30. Bah, on va aller donner ça à Amélie ou à Mélo, je sais pas lequel est à l'intérieur. Et. Ah bah ça, à partir du moment où t'es pas pile poil dans, entre guillemets, la normalité qui n'existe pas au final, hein, mais c'est toujours très dur. À propos du magasin. J'ai des matériaux. Oui, j'ai tout. Non, ça me gêne pas. Tiens, un cadeau. Voilà. Coucou Elfette! Alors, elle me donne quoi? Voici une chaise d'étude, une machine à coudre, une servante d'atelier. Ouais, bof. Eh bien, ça va bien Elfette et toi? Mais oui, ils le laissent tranquille. Il faut que j'aille installer la boutique. Alors, je vais pas le faire parce que je sais pas où. Il faut que je réfléchisse. Je vais la garder forcément. Hein, mais je vais lui vendre des insectes. Bah, les deux guêpes surtout. Hein. Hop. C'est tout. L'autre, je vais aller poser. Et je vais regarder ce qu'il vend quand même. Parce que comme j'ai strictement aucun meuble, on ne sait jamais. Ah bah le hamac, je vais le prendre. Par contre, tu pourrais changer ton stock. Les mouchoirs, je les avais déjà hier. Jacinthe jaune, tiens, j'irai me prendre tout à l'heure. Bon, sinon, il n'y a rien de spécial. Voilà! T'entends plus le son, Camille? Tu relances, sinon tu fermes Twitch et tu le relances. J'ai fait une nouvelle île, Elfette. En fait, j'ai écrasé une de mes îles pour en refaire une. Cette fois, je l'ai fait en hémisphère sud pour avoir autre chose que de la neige dans les mois qui vont arriver. Mais c'est une île sur laquelle je jouais plus du tout. Donc, voilà, j'ai gardé les meubles qui m'intéressaient. Notamment, j'avais toute la collection pirate dessus. Donc, je l'ai mis sur une autre île en attendant. Mais sinon, ouais, je suis reparti à zéro.
Ça fait du bien, hein, de changer un petit peu. Et sur l'autre île, j'avais plus rien à faire d'intéressant, donc. C'est vrai que les garçons sont beaucoup moins méchants que les filles. Surtout quand ils sont ados. Bon, puis Ethan n'est pas forcément non plus du style à se laisser faire. Je vais juste ranger ce qu'on a en trop. Non. Bon, ranger, j'ai dit. Chaise d'études. Bon, je vais la garder quand même. Hamac. Je range, j'installerai tout ça sur mon île plus tard. Ça, je vais prendre avec. Ça peut toujours servir si je veux déterrer des trucs. On va aller poser la bébête. Mais je t'avoue, moi aussi, le fait que j'ai hâte de voir ce que je vais en faire, parce que je n'en sais rien. Après, d'une manière générale, les filles restent des pestes, hein, de toute façon. Hein. Voilà. La boutique, ben j'ai pas le choix, je vais la trimballer. Tant pis. Et maintenant, on peut aller vraiment sur les îles uniquement pour trouver des villageois. Et ça, c'est cool. Bon, accessoirement, j'aimerais bien trouver des plans aussi, mais ils n'ont pas l'air de vouloir m'en donner. Voilà, on a un peu de cocotier sur l'île, on est bien. Go! Direction aéroport. Quatrième île. Presque 1 heure, on a fait 3 îles. Je vous promets, maintenant ça va aller plus vite, j'ai plus rien à ramasser. Ton perso est trop mimi. Merci, Mandine. En fait, j'avais dans l'idée, dans mes premières îles, si vous avez regardé, Zabou et toutes les autres ont les cheveux longs au carré. Et du coup, depuis Hope, je veux reprendre les couleurs de cheveux. Donc, on a Hope qui a les cheveux noirs qui correspond à Chico. On a Emma qui a les cheveux blonds qui correspondent à Xabu. Et là, on a Luna qui a les cheveux, comment dire, roux et qui correspondent à Kachupi. Je voudrais voir une espèce de petite concordance, un petit peu comme si c'était 2 générations différentes. Alors, je veux voyager. Tu regardes sur quoi, Camille? Parce que je promets qu'il y a toujours du son, hein. Merci, Mandine. Allez, go! Maintenant, on y va, hein. Maintenant, il faut que on prenne des gens. Ouais, hop hop hop! On voit que c'est rapide de refaire des îlots du début. Ouais, je crois qu'avec celle que j'ai écrasée plusieurs fois, c'est la 9e que je recommence, donc Oui, il faut profiter. Oui, ah, on a dépensé sur celle-là. Oh! Je vais pas la prendre, mais oh! Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, je sais plus, c'est pas grave, on va aller la voir. Ouais, il n'y a toujours pas de plan. Ah si, bouteille. Je n'ai pas vu ma petite Aurore. Aurore, où es-tu? Pleine de bisous, Aurore. Profite bien. Et merci pour hier soir encore. Gazon patio. Je suis coincée. Coucou Morgane.
merci Gno pour le sub, merci tout plein. C'est un sub offert par Galou. Eh ben merci Galou, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et donc voilà, bon ça je vais relâcher, j'ai besoin de ramasser, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Oui, on a un super binôme de chasseuse de fantômes. C'était Bengal, c'est ça le nom que je trouvais. J'ai pas trop envie. C'est moi, Aluna. Hop. Et merci encore, Galou. Pourquoi j'ai ramassé les noix de coco? J'ai dit que je les prenais plus. Bon, on peut se sauver. Je ferai peut-être les objets quand même. Je vais peut-être quand même juste faire à chaque fois les arbres au cas où. Ah, oh, j'avais oublié qu'au cas où il pouvait y avoir ça dedans. C'est gentil tout plein Galou. Présente-toi un bijou. Oh, il y a une abeille naine, j'en ai pas. Viens ici, je vais la fail. Abeille naine, reviens là. Voilà. Je fais mes courses pour les animaux en même temps. Hein. Bah, j'avoue qu'elle irait bien sur Animalia, mais au final, j'ai réussi à avoir mes habitants et du coup, j'ai plus trop envie de les changer pour l'instant. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu. Après, je l'ai en un en carte. Hein. Donc, au pire des cas, je peux toujours la faire venir. Je vais rentrer, Maurice. Rodrigue, pardon. Oui! Ah non, j'ai pas vu ton message, Valériane, excuse-moi. T'as plein de craft. Bah, je veux bien, ouais. Je veux bien. Ça serait très gentil. Parce que quand tu redémarres comme ça, pouf. C'est un peu compliqué, hein. Non, y a pas de tarantule, Mandine. Pas dehors, pas en plein jour. Oh, manquerait plus que ça. Allez, on repart tout de suite, j'ai encore de la place dans l'inventaire. Ouais, excusez-moi si je vois pas tous les messages, faut juste me le redire, hein. Je le prendrai pas mal que vous insistiez, parce que c'est de ma faute, je les vois pas. Oh, je me suis trompée. Oups. Après, je suis toujours en train d'essayer de me battre avec Hope pour obtenir les plans pommes de pin et glands. C'est long. Quand je le fais en stream avec vous, je les ai tout de suite, mais quand je joue toute seule, ça met trois plombes. Pas tromper de bouton, tromper de ligne cette fois. Ouais, bonne idée, Audrey. Une petite peluche tarantule pour Mandine. Oh, nul. Je suis pas fan. Gambette. Je fais une photo, mais j'ai oublié de faire les autres, alors... Sinon, je crois que je vais finir par regretter ma pauvre Rachida que j'ai pas pris. Hein. Alors, pas de bouteille là. Bouteille. Je reviens sur le studio Pokémon, j'ai déjà demandé mais ne me rappelle plus. Pour commencer dans l'univers, vous me conseillez quel jeu? Bah, ça dépend sur quelle console tu veux commencer, Galou. Si c'est sur Switch, le plus simple, c'est les Let's Go.
Même s'ils ne reflètent pas à 100% l'univers des autres jeux, mais ça sera les plus simples à prendre en main, en fait. Bon, on rentre. Ah bah des fois les scorpions et les... Bah, c'est pareil hein. Pokémon jaune, c'est tellement bien Nico. Ouais donc c'est sur Switch, je te conseille soit Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Et si t'accroches après, bah il y a bouclier et Ou alors t'attends novembre et la sortie de Diamant et Perle. Qui sont des remakes et qui... Pourquoi je sors? Mais ouais, je joue peut-être de la vie de gnome. Nico, je te vois envoyer des trucs sur ma Xbox à Kenny. Hein, parce que j'ai une notif sur mon ordinateur. Et donc... Ouais, je suis un peu de la vie de gnome. Attends la sortie des remakes de Diamant et Perle. Et là, tu retomberas vraiment aux origines de Pokémon. Mais si tu veux pas attendre, bah du coup... du coup, ouais, let's go. Je t'ai vu, Nico. C'était très drôle, d'ailleurs. Je voulais savoir... Ouais, les remakes de novembre, bah franchement, en plus, c'était vraiment des épisodes géniaux. Hein. Allez, il faudrait peut-être qu'on invite quelqu'un sur notre île quand même. Ça fait déjà 5 qu'on ne prend pas. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Franchement, je suis vraiment contente de pouvoir y jouer, quoi. Bon, je viendrai pas maintenant, Valérie, non, pas pendant le stream. Je te redirai, à la limite, je t'enverrai un message. Ah, bah super, Camille. Bon, allez, on a un magnifique habitant aujourd'hui. Bon, il est caché, c'est présager un de mon... C'est encore Rachida, non? J'ai rêvé ou c'est encore elle? Je crois bien. Oui, c'est elle. Ouais, bah si t'as trop de jeux, bah oui, c'est encore elle. Bah du coup, je fais quoi, moi? Je vois ça comme un signe qu'il faut que je la prenne, ou... Ou on passe notre chemin? Je rigole parce que je vois les messages de Kenny et Nico, c'est rigolo. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je l'ai déjà eu en plus. Oh, en même temps, j'ai pas envie. Hein. Ben, je recherche personne en particulier, mais quelque chose. Mais quelque chose qui me tape dans l'œil et non, je m'en vais. Je suis désolée, mais je m'en vais. Si elle revient une troisième fois, oui, mais non, j'ai pas envie en fait. Ah oh mince, des montres religieuses, j'en avais pas. C'est pas grave. Du coup, les précoces sont pas disponibles encore pour le remake. Si, normalement. Normalement, tu dois avoir les précommandes. Hein. Ça sort en novembre, donc je pense qu'ils doivent déjà être là. Bon, de toute façon, je me cherche pas lequel. Je vais prendre les deux comme à chaque fois. Mais j'avoue que j'ai hâte. Ouais, non, j'aime Catherine, pas plus que ça. En fait, la première fois, j'ai hésité. Et là, en fait, en la revoyant, non. Donc, ben, on repart. D'ailleurs, petite question qui n'a rien à voir, quelqu'un a des nouvelles du Monopoly. Alors moi, je l'ai préco sur Amazon. Et
J'ai reçu un mail me disant qu'il sera livré entre le 7 septembre et le 20 octobre, un truc comme ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas de date de livraison pour l'instant. En tout cas, ailleurs, j'ai pas regardé, mais je l'avais préco sur Amazon quand ils l'ont mis en ligne et j'ai eu ce message. Attends, je re-regarde vite fait. Je m'excuse. Je vais juste déconnecter aussi. C'est bizarre ça. Bon, je voulais déconnecter l'application Xbox, mais apparemment je l'ai pas eu, je l'ai pas. Alors, je sais pas pourquoi je vois les messages. Je vais juste regarder du coup dans mes commandes ce qu'ils me disent pour le Monopoly. Livraison prévue entre le 7 septembre et le 15 octobre. Alors comme ça, ben on est bien avancé. Pardon. Ça, c'était plus fort que moi. Je n'aime pas les moutons. Je suis désolée s'il y a des bruits bizarres, c'est parce que je tire sur mon carnet pour écrire à chaque fois. Ah oui, grave, le fait, je ferai une vidéo découverte, promis. Ah ouais, j'adore faire les vidéos sur les jeux, donc là, Animal Crossing, forcément, ouais. Ah, bah, il y a un fossile, on va ramasser. C'est Perle ou Diamion qui est sorti en premier. Bah, les deux sortent en même temps. Il y a toujours deux épisodes, en fait, Galou, par jeu. Parce que t'as certains Pokémon, dont le Pokémon légendaire, qui est différent. Et là, je sais plus c'est quoi. C'est Perle, Trucmuche et Machin Scintillant? Bon! Il existe 3 milliards de villageois magnifiques, pourquoi vous me mettez que des trucs que j'aime pas? Et bonjour, bonjour à ceux qui arrivent, ne faites pas les timides. C'est perle étincelante et diamant, je sais plus quoi. J'ai téléchargé d'ailleurs Pokémon Unite. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vais le tester. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une découverte sur le jeu ou pas? C'est un free to play, hein. Me dites pas oui pour me faire plaisir, hein. Sur mon réseau, j'y joue tout seul, mais. J'ai hâte que sorte le jeu de plateau Stardew Valley. Ah, bah ça, je veux bien que tu me tiennes au courant, Galou, s'il te plaît. Si t'as des news, parce que ça m'intéresse aussi, hein. Bien, Camille, 7 glands sur le même arbre. C'est de la chance parce que moi en ce moment. Perle scintillant. Ah, diamant scintillant et perle étincelante. Nickel. Bah, Unite, c'est bizarre, mais j'ai quand même envie de tester. Hein. Je sais qu'Ethan m'a y a joué, il m'a dit qu'il n'avait pas aimé non plus. Hein. Tu veux une vidéo de Zab Zab? Bon, ça sera pas pour tout de suite parce que. Oh non, mais c'est pas possible! Pourquoi vous me détestez dans ce jeu? Merci Galou! En plus, j'ai pas de plan. Alors toi, tu n'as rien pour toi. Non, en vrai, t'es sympa. Mais comme du coup, j'ai. Comme du coup, j'ai mon premier villageois qui est déjà un hippo, je vais pas l'apprendre. Guillaume a pas accroché non plus. Bah après, c'est un free to play, donc je me dis j'ai quand même envie d'essayer. Et où est-ce qu'il me reste des tickets Maïsnou qui m'en restera un pour l'instant. On ira en rechercher. Oui, au mendiant Burke. C'est tout à fait ça, Lucas. Burke, Burke, Burke. Et je vous rappelle qu'il faut qu'on en trouve trois. Hein.
Je sais pas ce que vous avez prévu aujourd'hui, mais on est peut-être là encore cet après-midi, hein. Ah bah voilà, Pikachu, maintenant tu m'abandonnes. Pas bravo. Pas bon, bravo. Moi, je plaisante. Je l'ai pris la semaine dernière, je crois, mais j'ai pas encore eu le temps. Pareil, le challenge des Sims, je pense que je vous le prépare d'ici un ou deux jours. Faut que je vérifie quelque chose. Avant. Parce que j'ai une idée, mais faut que je regarde si c'est disponible dans le jeu de départ ou pas. Toujours dans ton cœur, voyons. Merci, ma Pika d'amour. Merci, Mandine aussi. Et pas juger sur le physique des pauvres habitants. Bah si, moi je marche au coup de cœur, donc si le physique me plaît pas, je n'y peux rien, je ne le prends pas. Alors bien sûr, dans la vie, c'est autre chose, mais sur Animal Crossing, non. C'est, il me faut le coup de cœur en le voyant et en lui parlant. Si je l'ai pas... On n'a toujours pas eu d'autres fruits que les pêches, n'empêche. Hein. Ça rime, c'était pas fait exprès. Pas de bouteille de ce côté-là. C'est la journée écureuil. Bonjour. Alors, Damien, je l'aime bien, mais je l'ai déjà. Le jeu de plateau Stardew Valley n'est disponible qu'en anglais pour l'instant aux États-Unis. Ah mince, les pêches n'empêchent, t'as vu, hein. Super travail de rime pour Zabou. Ah, c'est dommage. Bon, bah au revoir. Hein. On se casse. Faut que j'aille rechercher... Attendez, non, on se casse pas tout de suite. Je sais qu'elle est trop chou, Audrey. Mais je l'ai sur une île déjà. C'est le problème d'avoir plusieurs îles. C'est que les trop choux, bah, je les ai déjà. Bon, il en reste d'autres. Hein. Oh mon dieu. Enfin, j'espère que vous avez fermé les yeux. Bon, allez, rentre chez toi, Zabou. Ah, les liens marchent pas dans le chat, Galou. À la limite, tu peux peut-être le mettre sur le Discord si ça te dérange pas. Oui, rip Lucas. Mets-le dans les jeux de société si tu veux bien, Galou. Ça serait gentil. J'ai encore plusieurs jeux de société que je vous ai pas présentés en plus. Bon, c'est pas... J'ai deux jeux dans l'univers Mario, je crois, que je vous ai pas présentés. Alors, récupère ça. On va poser les trucs là-bas près du... Pff, le musée, il est là, non? Alors ça, j'ai déjà. L'abeille naine, j'avais pas. Ah, l'abeille naine. Après, Valériane, on n'est pas là non plus pour jouer sur les mots, hein. On est là pour se détendre, donc un burk, je vois pas trop en quoi. On n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Le but, c'est surtout d'être là pour s'amuser. Hein. Et on regroupe. Ouais, c'est l'invasion des papillons ce matin. Non, le. Il est là, mon aéroport. Allez, go! 10e voyage. C'est ça, 10e voyage? 10e voyage. Et on a toujours personne! Alors, je veux voyager. J'ai déjà peur. Merci, Galou. J'irai voir ça après, du coup. Oh, mais quelle horreur. Ouais, je me rappelle en avoir balancé aussi, Audrey. Mais, oh, mais quelle horreur.
Et vous savez quoi? Il va falloir que je fasse pas de la case camping. Alors comment vous dire que Phil et Pietro ils me font peur déjà, hein? Je suis pas très très rassurée. En tout cas, c'est cool, mais c'est perturbant. Ah, des oranges! Voilà! C'est sympa, mais c'est super perturbant de faire une île dans l'hémisphère sud parce que je comprends pas tout des fois. Je dis, mais non, mais ça, il veut pas y avoir. Ah bah oui, mais non, je suis pas sur la bonne... Et du coup, c'est trop bizarre. Brûle parfum, nickel! Après, tu sais, Valérie, il y a une différence entre l'humour pour se faire rire et la soi-disant humour pour se moquer. Et ça, se moquer, c'est une chose qu'on ne fait jamais. Donc, il faut savoir aussi faire le tri entre les moqueries et juste les choses qui permettent de rigoler avec des copains. C'est deux choses complètement différentes. Et le « Ah, il est moche !» c'est juste pour rire. Et perso, on parle de personnages qui n'existent pas quand même. Donc même si ils étaient vraiment dégueulasses, ils seraient dégueulasses. Point final. Après je comprends, mais même pour toi, vivre comme ça en te prenant la tête pour des détails comme ça, c'est pas quelque chose de sympa. Oh non, mais quelle horreur! Là, quelle horreur! Alors elle, je l'ai déjà eue, je ne la veux pas. File de là! Elle était sur Nana Juichi tout au début. Hors de question! Ah oui, non, mais... Non, je veux pas lui reparler, au secours! Au secours, au secours, les enfants, aidez-moi, faites quelque chose. Ah, salut! Ah non, mais la moquerie, je suis la première à détester ça. Je ramasse des oranges, parce que ça va faire des sous à aller les vendre. Et je vais en garder, bien sûr. Hein. Comme ça, j'aurai du coup pêche, orange et cerise à planter. Patty, je l'avais sur ma toute première île, je l'ai gardée je sais pas combien de temps. Et non, mais non, je pouvais plus au bout d'un moment, quoi. C'était à l'époque, quand je savais pas qu'on pouvait mettre des amiibos. Quand je l'ai su, elle n'est pas restée longtemps. Allez, go, on se sauve. Ouais. C'est pas gagné, hein, les enfants, quand même, je trouve, hein. Finalement, si on retombe une troisième fois sur Rachida, on va peut-être la prendre. Go, go, go! Tu la trouves chou, toi, Audrey? Ah non, moi j'ai du mal. Hein. Après, elle est gentille. Hein. J'aime bien son caractère et tout. Sa maison était sympa. Non, ressort pas, on peut partir encore. Toi aussi tu la trouves chou? Oups! Bah moi je l'aime pas. Bah il y a pire, hein, sincèrement, j'ai bien eu bien pire, mais pas fan. Peut-être parce qu'elle était là en même temps que Phil et... Go! Allez, croisez les doigts avec moi! Parce que là, ça va plus du tout. Hein. On a déjà eu les oranges, donc dans tous les cas, on est bien. Après, on peut en plus avoir... Ah, j'ai oublié de faire les objets! J'oublie une fois sur deux, c'est con. Bah. Papa Panda. C'est ton cauchemar, Philo, mais grave, il me hante. Je le déteste. C'est peut-être parce qu'il a eu un peu trop d'ose à s'incruster dans tous mes campings. Oh, c'est Coco. C'est Coco ou c'est Gonzo? Non, c'est Coco. Alors, vous connaissez mon amour des koalas. Mais ayant tous les koalas à Nana Juichi, Coco va rester ici. Ah, oh, c'est tellement dommage, mon petit Coco. Bah oui, t'es trop chaud.
Je peux pas faire ça, Coco. Salut. Je vais pas m'amuser à reprendre des habitants en double partout, sinon ça va être l'enfer. Bah, viens le chercher, Pika, mon petit koala. Je les ai tous, moi. Bon, secondaire a bien marché, Amandine. Je te propose de le retenter au tour d'après. Parce que regarde, du coup, j'ai eu un trop chou. Mais un trop chou que j'avais déjà. Alors Galou, normalement, il n'y aura plus jamais de jeux Nintendo. Je parle pas de jeux Switch. Nintendo a interdit la vente de codes pour ces jeux autrement que par le biais de l'eShop. Donc tu ne les trouveras pas en code sur Instant Gaming ou sur autre. Ils n'ont plus le droit de le faire. Depuis la sortie d'Animal Crossing d'ailleurs. Oh, les hippopotames Polito. Eh ben c'est celui que j'ai eu au camping sur la dernière île, il me semble, quand on l'avait fait ensemble. Ouais, mais quand même, il y a plein de villageois trop chauds qui traînent. Bah, c'est surtout qu'un Nintendo vaut 60 euros ses jeux sur l'eShop et que quand ailleurs les gens l'achètent 45 euros, ça leur convient pas. Et je pense que vu le nombre de jeux qui ont été achetés pendant le premier confinement sur les jeux comme ça, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont dû vite faire le... le compte entre ce qui rentrait et le nombre de gens qui jouaient et le nombre de jeux que eux avaient vendus. Hein. Je crois que j'ai vu Abraham là-bas. Je vais ramasser les cailloux là au fur et à mesure parce que ça se dit. Je sais pas si c'est Abraham. Bah, je ferais bien de les prendre parce qu'au fur et à mesure. On prend ou pas? Moi j'ai bien envie, hein. Je l'ai jamais eu pour l'instant. Alors les enfants, fait quoi? Ah oui? 2 oui? 3 oui? 4 oui? 5 oui? Hé! Camille, tu votes plusieurs fois! Que des oui. Eh ben go. Viens sur la mienne. C'est plus joli qu'ici, voyons. Je t'attendrai. Alors t'appelles à Monsieur Tom Nook qui va me mettre en esclavage demain, qui va me faire construire 3 maisons. Et en plus, je l'ai pas en carte, donc du coup, c'est trop trop chouette. Oh, il est trop chou. Ah oui, il est trop chou, je suis contente. Bah, tu cherches lesquels, du coup, Galou, là? Tu cherches pour la précommande ou pour éventuellement ceux qui sont sortis? T'es jaloux, Lucas? Ah, promis, s'il part un jour, je te dirai. Mais c'est vrai que je suis contente, je l'ai jamais vu. Sur aucune île. Tu laisses sur ton île au thème de la musique. Quelle île au thème de la musique? Il est génial. Ben, faudra que tu me montres ça, Amandine. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. On vient enfin après 12 îles de trouver notre premier villageois. Stéphane, je l'ai eu sur l'île de Luna que j'ai écrasée. Je crois que je l'avais là-dessus. Bon, on peut refaire un voyage avant d'aller vider ce qu'on a sur nous.
C'est l'île de Daniel, d'accord. Tu me diras quand elle sera prête, hein. C'est un très joli nom et une très bonne idée. Allez, go. Ah, je suis contente. Petit Abraham. Par contre, l'île aux clochettes, on n'aurait peut-être pu la voir. Hein. Alors, plan. Pas de ce côté-là. Objet. J'ai hâte d'avoir l'échelle demain, même si je pourrais tricher et la chercher. Mais Zabou, elle veut pas faire ça. Roux coloré, ça va partir directement à la revente. Et vous êtes radin en plan. Le... J'ai recommencé mon île à zéro, j'ai voulu changer et faire une île forêt. Il me manque octobre pour la continuer. Ah, tu vois, il y a des super trucs avec les champignons et tout. Alors là, je vous avoue que j'ai un problème. C'est que je ne l'aime pas spécialement. Mais je sais pas pourquoi. J'ai aucune poule nulle part. Alors, je sais pas. Une île sur le thème de la musique, c'est ce que je voulais faire à la base. Eh oui, Musicalia. Ah ben, je sais pas quoi faire parce qu'au final, je la trouve... Je sais pas. Ouais, elle est bof, hein. Mais j'en ai pas. Mais il y a peut-être des plus jolies. T'avais fait une île sur l'Asie. Ah, ça, c'est ce que j'aimerais faire. Vous verrez, je vous ai réservé une petite surprise là-dessus, d'ailleurs. Fais la poule, tu verras, ça sera plus cool. Allez, je m'en vais. Après, tu sais, Amandine, même si tu venais à prendre l'idée de quelqu'un, forcément, on a tous, à un moment ou une autre, des idées qui se ressemblent, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne les applique pareil. Puis comme si Audrey allait t'en vouloir. T'es une île sur le bordel. Ça, c'est bien, Gnome. La végétation et l'irrégularité. Allez, on se casse. Nathan, il promène sa maison depuis des mois, le pauvre. Pikachu, elle adore faire, refaire et redéfaire et recommencer. Mais c'est de plus en plus beau, donc c'est cool. Allez, go! Ah bah c'est sympa, hein! Pikachu, tu déménages, t'en as même pas informé ta femme. Bravo! Bravo, hein. Je suis pas fière de toi. Alors, on a quoi sur celle-là? C'est une normale dans les poulettes, il y a Sonia, une arrogante qui est pas mal. D'accord. Ouais, c'est vraiment une espèce que je ne connais pas dans le jeu, en fait. Alors, Détective Pikachu, ça n'a rien à voir avec la série. C'est vraiment des petites enquêtes, c'est un jeu d'enquête et tout. Ça n'a vraiment rien à voir, par contre. Si tu veux commencer un Pokémon, ne prends pas celui-là. Il n'a rien à voir avec la série Galou. Après, tu peux le prendre si tu as envie de le faire. Hein. Moi, je ne l'ai pas fini. Je me suis racheté, mais je ne l'ai pas fini. Mais oui, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais juste reprendre
C'est un filet qui vient de casser, oui. Après, Detective Pikachu est très bien, hein, mais ça, ouais, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas avec celui-là que tu te feras une idée sur la série, quoi. C'est un professeur Eleton à la Pikachu. Bah dans l'idée, un petit peu, ouais. Ah! Plan. Masque feuille. C'est nul, mais c'est pas grave. On dormait sur notre bateau à la belle étoile sous la pluie. Qu'est-ce que tu es romantique, Pikachu. Oh, Biquette. Je crois. Alors, très fan, mais je l'ai déjà. Oui, Ken, j'avoue que si je tombais dessus, je pense que je le prendrais. Il est très joli, j'aime bien son bleu. Eh, nul doute, Amandine, tu as épousé le pirate le plus romantique de l'univers. Bon, ben on repart. J'aimerais bien quand même qu'on en trouve un chouette. Ah, Audrey a dit une bêtise. Audrey, elle aime pas Ken et apparemment, bah, elle a pas le droit de pas aimer Ken parce que le bot l'a dégagé. Bon. Oui, il fait sévère, ça je suis d'accord. Par contre, un où je suis tombée red dingue amoureuse, c'est Raymond, quoi. Je pensais pas, mais... Oh, ça va, hein, ça va, Amandine. Moi, Zabou s'est endormi pendant le mariage. Ça arrive. Faudrait qu'on prévoie aussi la vidéo sur le zoo. Je sais même plus ce que je fais. Ah bah, Ken, ouais, c'est le mot interdit. Hein. Il veut pas de Ken machin, pas de Ken Inoune. Je sais pas ce que c'est son problème, mais... Ma pauvre Audrey. Bon. Peut-être passer à la vitesse supérieure. Le nom de l'oiseau Zabou en langage pas très beau, ça veut dire quelque chose. Non, non, la... je ferai pas de live dessus, ce serait une vidéo, la visite complète du zoo avec l'inauguration. Parce que sinon c'est pas gérable pour moi, je peux pas gérer autant de personnes sur un stream, c'est pas possible. Et je vais faire un montage avec des musiques, des trucs comme ça, donc ce sera obligatoirement en vidéo. Hein. Ça veut dire danse à l'horizontale. Oh mais c'est encore elle! Comment elle s'appelait? C'était Eva, c'est ça? Ils sont un peu casse-pieds à remettre les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça, c'était Eva. Vous pourriez me rembourser mon ticket MyZnook, hein, parce que... Oh! Attendez, je vais rechercher Caillou. Arrêtez de me remettre les mêmes! Par
contre, que tu en as un super bien que vous regrettez de pas avoir pris, on vous le remet pas. Hein. Une heure 36 de stream et on a un habitant. Bon, ça pourrait être pire. Oui, rembourser le ticket My Look. Franchement. Je vais quand même aller poser des trucs parce que là, ça devient un peu craignos. Where is mon musée? Là. Ça, je vends. Ça, je vais garder. Ça aussi. Ça, je vends. On va aller vendre 2-3 trucs et on repart. Bah, de toute façon, ouais, c'était mon but, Cathy. Je vais aller, du coup, vendre un petit peu et ça évitera qu'on se retape les mêmes. Parce que là... Bah, à propos du magasin... Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas posé. Alors, ça, je peux vendre. Je vais vendre les oranges. Ça, je vends, Nadi. Il faut juste que je garde des oranges pour pouvoir les planter, donc... Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas encore vendu de fruits, donc il faut qu'il m'explique qu'en les mangeant, je peux casser les rochers ou déterrer des arbres. Bon, là, on est bien. Ça, ça sera à les ranger. Ça aussi. Allez, go! Que j'ai comme Miles Nook. Tu n'as pas d'inspiration, ma petite Audrey? Go! Par contre, je dis go, mais je sais jamais où est mon aéroport. Ah, bah, il est là, il y a les tickets. Allez, quelque chose de chouette. Ah non, 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 non. Ça va toujours, monsieur Kenshu. Mais on a trouvé un habitant, alors c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, Nico, il nous ramène des crêpes ou pas? T'as entendu Kenny, en fait, Audrey? C'est ça que tu disais, le A, j'avais pas entendu. C'est vrai? Bah, moi, que le casque, j'ai rien entendu. Faut que t'arrêtes de crier pendant mes vidéos, toi, là-bas. Oui, secondaire, Amandine. Ah, bah déjà, secondaire, c'est bien, on a un plan. Déjà qu'on entend Kenny crier sur mes vidéos des Sims, ça va venir en plus sur Animal Crossing, maintenant. C'est qui, quoi? Qui dit? Tu écouteras la rediff, je vais me faire pipi dessus. C'est juste pour moi les crêpes, d'accord. Je le boufferai quand même. À 1h40 à peu près de rediff pour regarder ça, tiens. Oh, coucou. Bon, bah, je la prends pas, je l'avais chez Zagou. Hein.
J'avoue que je mangerais bien des crêpes, mais alors la flemme de les faire. Je vous dis même pas. Ah, j'ai pas fait les arbres pour l'objet. Oh, j'ai la chance! Ah, l'habitant, c'est qui, pardon? C'est Abraham, petit renne. Allez, on se casse. C'est un cerf ou un renne? Bon, on s'en fiche, c'est la même chose. Être chou. Ouais, malheureusement, ma pauvre Amandine, on n'a pas ce qu'il faut pour faire des crêpes. Je crois qu'à part le sucre... C'est des crêpes sans œufs, c'est compliqué, je n'ai plus. J'avoue que j'en mangerais trop bien. Grave. Ouais, après, c'est pareil, hein, Audrey. C'est pas non plus... C'est vrai que pour les œufs, peut-être qu'avec Eva, j'ai réussi à en avoir. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à follow. Allez! À chaque fois qu'on a l'air se passer 12 pour en avoir un, on n'est pas parti, hein. Oui, plan. Guêpe. Ouf, c'était limite là, je crois. Elles sont arrivées super vite sur moi. Train miniature. Bon, qui est notre villageois d'amour? Ah bah vas-y, Pika. Tu peux. J'aime bien regarder les photos, moi. J'ai trop envie de manger des crêpes aussi. Oh. Monsieur Kenshu, trouverais-tu une épicerie qui vende des œufs? Ça y est, j'ai ma mentor qui naît cette fois. J'ai pas fait n'importe. J'aime trop les crêpes. C'est chiant à préparer des fois. C'est pas Bichoun, comment elle s'appelle? Bibi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, je l'ai sur mon île trop chou, oui. Galou, elle va plus bien, je crois. Oui. Ouais, mais ça, c'est pas grave, Audrey. Oui, prends. Ce serait la copine d'Abraham. Prends-la, trop chou. Allez, go. On y va. Viens sur mon île. Et voilà! Alors, on aura mis quoi? Bah, finalement, il n'y a que 4 voyages entre, donc c'était bon. Ça suffit, hein, je vais te parler assez là. Oui. Bah oui, je serai là, t'inquiète. Attendez, il faut que je reparte prendre le caillou. Merci, Pika!
T'adores son intérieur, ouais, mais ce qui est embêtant, c'est que les premiers, ils arrivent avec leur... Pas avec leur intérieur, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, il faudrait presque avoir un habitant qu'on aime bien, le faire partir, et le faire revenir après. Ah ben voilà, André, on te reconnaît. Plus qu'un. Et c'est là que c'est le plus dur parce qu'on se dit toujours, ah il a pas mal celui-là, mais il aurait peut-être mieux derrière. Allez, go! Puis dans les prochaines, on espérera toujours trouver Laura, hein? Parce que je sais pas comment j'ai fait le deal, mais je n'ai toujours pas Laura, jamais vue nulle part. Après, moi, j'aime bien aller les chercher, Shino, c'est pour ça. Et après, ceux qui me couvrent, au bout d'un moment, je finis par les remplacer avec les cartes. Mais du coup, ça me permet d'en découvrir aussi que je n'ai pas forcément en carte et que je n'ai jamais vu dans les jeux. C'est surtout ça que j'aime bien. Alors ça, non, je peux pas. Et merci, Sylviane, pour le follow. Merci beaucoup. Là, par contre, ce fourmilier, là-bas, non, c'est Burke. Chez Laura en deux tickets, mais non. Je sais pas, c'est pour la combientième île, je fais le tour et je n'ai toujours jamais, toujours pas vu Laura. C'est horrible. Je pense que je la verrai jamais, hein. Je dois être maudite, c'est pas possible autrement. Mathilda. Alors elle, je crois que toutes les chasses aux habitants que j'ai fait, elle était là. Mais je ne te prendrai jamais, madame, jamais. En plus, t'as pas l'air sympa, donc comment dire ? On se casse. Tu te sauves, Galou, bah, tout plein de bisous. Et ben, bon dimanche à toi aussi. Alors, Odif sera disponible sur, sur YouTube, mais le temps que ça la charge, et comme je supprime l'attente qui est au début, ça met du temps. Je veux rentrer. Mina, c'est quoi comme espèce, Valériane? Ah, moi, pareil, les fourmiliers, je peux pas, Audrey. Hein, j'arrive pas, c'est vraiment, vraiment pas ce que j'aime le plus. Hein. C'est peut-être presque ce que j'aime le moins, je pense. Bonne nap, ma picave, des bisous, bisous. Je sais pas s'il reste des tickets. On va voir. Ah bah si, il m'en reste encore. Go! D'accord, une petite canne, ok. Non, c'est vrai que ça me disait rien, le nom. Et bonjour, Barbara! Bienvenue! J'ai fait combien d'îles depuis le début du live? Je vais te dire ça, Lucas, je les ai notés de toute façon. 4, 8, 10, 14, 19. Là, c'est la 19e. Bouteille! Pas tout perdu déjà. Table en pierre, ok. Bon, c'est dommage qu'il me donne en, quasiment en, comment dire, en objet tout ce que je vais avoir plus tard. Ça, souvent, ça fait partie des plans que nous qui donnent, mais bon. Bye.
se trouver l'objet. Pas le flat. Oh, j'ai peur de monter. Je sens que c'était encore un truc qu'on a déjà eu. Et voici Rachida pour la troisième fois. Non mais j'ai dit que je ne te prenais pas. Hein? Ça fait que trois fois. Peut-être que je devrais y voir un signe. Mais j'ai pas envie de la prendre. Non. Bon tant pis, j'ai pas pris le caillou, cette fois je ne ressaute pas. On se sauve. On peut plus. Trois fois quoi. Ah, je crois bien qu'elle veut venir, ouais, mais moi je la veux pas en fait. Elle la veut pas. Je suis en train de faire venir un écureuil en plus chez Hope où j'en ai déjà deux. Du coup, là, j'ai pas envie de la prendre. J'ai plus de tickets miles donc. C'était ça le truc que j'avais en haut, je me demandais ce qui manquait dans mon inventaire. C'est pas un signe, c'est un écureuil. Tout à fait! Tant qu'on est dehors. Et l'après-midi, j'ai avoir du boulot parce qu'il va falloir que j'aille défricher tout partout de l'autre côté. Ça, c'est ce que je garde, j'avais dit, ouais. Ça, non. Ah, quoique si je vais peut-être le garder quand même, ça peut être pratique d'avoir une poubelle qui traîne. Allez, on repart. Je vous avoue, je commence à désespérer. Hein. Parce que j'adore les deux que j'ai pris, mais c'était pas non plus le méga giga coup de foot comme j'ai déjà eu. Hein. Bon, après, je sais que la première fois, on est limité, on peut pas tous les avoir. Mais quand même! Je crois qu'on peut pas avoir de Laura maintenant. Si seulement. J'ose même pas imaginer le si seulement parce que ça fait tellement longtemps que j'espère la voir que je n'y crois pas du tout. J'ai vraiment l'impression que elle est pas compatible avec moi, c'est pas possible quoi. Ah, par contre, toi les guêpes, j'aime bien les trouver du premier coup, ça c'est pas un problème. Hein. Ballon de foot américain. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes miles nook? J'ai toujours vu personne sur le côté, ça me rassure pas. Mobilier perché. Mimi, mais non. C'est non. Quand même prendre une photo, mais... Pas envie. Au revoir. Plus jamais je fais de secondaire. J'avoue qu'il a pas bien marché ton secondaire, Audrey. Coucou, les Yorkas.
On s'en va. C'est entre Loa et Lily, il y a un monde, hein. Bon allez, tout à l'heure on a attendu 4 habitants avant d'en trouver un autre. Alors techniquement, peut-être que là on en trouve un. Je crois que ma plus belle trouvaille, c'était la fois où je suis tombée sur Ramsès et sur Raymond quand même. Hein. J'ai peur. Bon, Barbara, je cherche pas spécialement quelqu'un en particulier. Je veux juste avoir un coup de cœur, en fait. Et dans mes rêves les plus fous, je voudrais Laura. Mais je pense que je n'aurai jamais Laura. Prendrai comme troisième habitant. Je veux bien. Oh non, mais regardez, cette... elle est encore là. C'est encore Mathilda. J'en peux plus, elle. Je suis sûre que si vous regardez toutes mes rediffs de stream depuis le début, c'est à chaque fois elle qu'on a, quoi. Plein de lait chaud, il y a de Luna, plein de bisous de Mamita et moi, je vous aime. Merci tout plein, ma Pika. Bon, ben, même pas en rêve. Plein de bisous, Camille. À bientôt. Bon, en plus, il n'y a pas de plan, alors cette île, elle est pourrie. Au revoir, Mathilda. Oh, c'est une blague. Oh, j'oublie rien derrière moi, j'oublie surtout personne. Au revoir. Oh, comme c'est mignon, Amandine. Petite Audrey. Bon. Je commence un peu à avoir faim, hein, accessoirement. Après, il y a plein de petits ours qui sont trop mimi. J'aimerais bien en trouver aussi. Bonne journée à toi aussi, Camille. Oh, crêpe, Mandine, j'avais réussi à les enlever de ma tête. Au secours. Oh. J'ai même plus envie d'aller voir. J'en peux plus. Oh non, j'ai Laura, Agnès, Pauline et Marty. Marty, je l'ai. Pauline, je l'ai. Agnès, je sais plus si je l'ai eu. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je sais plus si je l'ai eu ou pas. Et moi, j'ai Rosalie, en petit ours. Nickel. Et j'ai quoi? C'est Tommy, je crois. Ah oh, bah. C'est un petit canard. Ah, j'ai Myrtille aussi, ouais. C'est Pompon. Bon, je la prends pas, mais... Ou je le prends pas, je sais pas ce que c'est exactement, mais... Ah, Grisa, oui. Canilla, elle est chouette aussi. Coucou, Angèle. Bienvenue, bienvenue. Tu viens de nous porter chance. Parce que pour l'instant, bon... Merci pour le follow, Angèle. Merci tout plein.
Bon, ben, on se la refait, mais on repart. Alors, ma théorie de... de 4 ne marche pas. Est-ce que j'en ai refait 4 et ben, la 5ème, on n'a pas eu ce qu'il voulait, ce qu'on voulait non plus. Alors, qu'est-ce que je cherche? Bah, rien de spécial, en fait. Je veux juste un coup de cœur, comme je disais tout à l'heure, mais... bah, et même ça, ils ont l'air de vouloir me refuser. Alors, on a trouvé Abraham, et j'ai pris Bibi également. Mais après, voilà, j'aimerais bien quelque chose vraiment de mignon et qui, voilà, qui me plaise dès que je pose les yeux dessus, quoi. Et pas l'horrible Mathilda qu'on n'arrête pas de vouloir me redonner, quoi. Je pense que dans toutes les vidéos que j'ai fait... yeah, elle est tout le temps là, quoi. Pikachu, raboule les frites. Frites! Frites, crêpes, ça me va bien. On va prendre 10 kilos en 3 minutes, c'est un peu ça, ouais. Oh, c'est pas vrai, c'est encore cette grenouille qu'on a déjà eu tout à l'heure. Alors j'ai rien contre les grenouilles, mais... poulet frites, j'adore. Quand j'étais petite, c'était souvent notre repas. Ah non, c'est pas la même qu'on a eu tout à l'heure. Alors là, je vous explique, c'est super bête. Franchement, je l'ai déjà eu et j'aurais voulu la prendre. Le problème, c'est qu'elle s'appelle Renata. Et que quand j'étais plus petite, je regardais un dessin animé qui s'appelait Demethan. Et que sa copine s'appelait Renatan, et que du coup je vais être obligée d'avoir la musique dans la tête à chaque fois que je vais la voir. Donc non, je ne peux pas la prendre. C'est dommage parce que je l'aime bien, moi, celle-là. Mais là, non, sinon c'est ma santé mentale qui va prendre un coup. Donc si c'est ton repas du dimanche, regardez, l'espèce de four là pour faire rôtir le poulet avec les frites, c'était... ouais. Frites fraîches des mamans en plus, c'était cool. Eh ben on se casse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oh mais non, ça va hein, Non, ben non, regardez pas la télé donc en mangeant, donc non. Mais oui, c'était le programme du dimanche. Programme qui te déprimait totalement d'ailleurs. Après, au final, je l'avais pas eu, elle. Hein. C'était une autre tout à l'heure. Hein. Attendez. Je vais aller débarrasser des trucs quand même. Sur moi. Alors, j'ai quoi? Je peux jeter par là la fossile au passage. Oh, je sais plus, t'avais les dessous de Palm Beach aussi le dimanche à la télé. Set de peinture, je garde. Ça peut toujours être sympa à offrir. Ça, j'avais dit que je gardais. Poussin, je garde. Ça, je garde. Les pierres, je les range. Bon, en fait, je garde tout. C'est bien la peine de se poser la question. La
Le club Dorothée. Ah oui, le club Dorothée. Toute ma vie. C'est tellement bien. Allez, c'est reparti pour de belles aventures. Je vous avoue que j'en peux plus. Bon, après, c'est plus long parce qu'il faut en trouver trois. Starsky Hutch, c'est chips. J'étais trop amoureuse. C'était trop beau. Bon, c'est très kitsch aujourd'hui, mais... Oui, toute notre jeunesse. Mais ouais, les 10 programmes du dimanche après-midi, je trouvais ça d'un déprimant. Ça sentait trop le dimanche après-midi et que le retour à l'école le lendemain, c'était l'horreur. Allez, on croise les doigts. Cette fois, c'est la bonne. On a Laura qui nous attend avec une coupe de champagne au bord de la plage. Comment ça, je rêve? Mais non! Plan! Qui a 2000? Une coiffe chrysanthème. C'est pas ce qui est le plus utile au début, mais bon, pourquoi pas, hein. Allez. Oh, c'est pas vrai. J'ai marre d'avoir les guêpes à chaque fois. Bon, c'est pas grave, ça me fera des sous, hein. Faut que je rembourse la maison aujourd'hui, de toute façon, donc... On se retrouve cet après-midi avec Jackie, Ariane, Corbier, Patrick et Dorothée. Ouais, c'était trop bien. T'attendais ça avec tellement d'impatience. Par essence rétro. Attention. Qu'est-ce que... C'est une blague. C'est une blague. C'est qui? C'est un nouveau Renata. Deux îles de suite. Ben voyons. Du coup, je fais quoi? Je la prends pas, ça c'est sûr, mais... Vous croyez que j'éteins mon jeu et que je le relance? Parce que là, au secours quoi. Elle commence un petit peu à me casser les bonbons. Hein. Je pense que je vais le faire, hein. Tant pis, on va perdre quelques secondes, mais c'est un peu lourdingue. Hein. T'es dépité, on dirait. Mais oui, j'en ai marre, j'arrête pas d'en avoir 18 fois les mêmes. J'ai eu Mathilda deux fois, Renata deux fois, on a eu Eva trois fois. C'est bon, moi. Rachida, on l'a eu trois fois. Hé, hey, il y en a assez. J'en ai marre. Il y a quand même suffisamment de villageois quand même. Ah, grave, il m'aime bien, tu m'étonnes, Barbara. Allez, on repart plein d'espoir. Ou pas. Je crois que je suis maudite. On en est à 5, 10, 15, 20. C'est le 25e voyage. Attends, je suis pas difficile, je veux pas non plus quelque chose de précis, mais...
compliqué, hein. Allez! Les péchés n'empêchent. Et salut Jérém. Ben oui, 25, tu te rends pas compte, j'en peux plus moi. Heureusement que j'ai des tickets. Hein. Il m'en restait chez... chez Emma, et du coup il m'en restait quelques-uns de ce que Catherine m'avait donné pour que j'aille me faire du bois chez Zabou. Donc ça va, ça m'aide bien. Merci Catherine. Il y a 397 villageois et on se tape trois fois les mêmes. Bravo. Bah Jérém, je cherche pas une habitant en particulier. Ce que je dis, je cherche quelque chose qui fasse, bah, qui me donne envie en fait, hein, qui soit un coup de cœur, mais compliqué. Donc pour l'instant on a eu Abraham et Bibi. Et oh, ma petite myrtille d'amour. Mais je l'ai déjà, je peux pas la prendre. Mais elle, elle est trop chou par contre. Elle, je craque. Ouais, si je l'avais pas sur une autre île, je l'aurais prise, ça c'est clair et net. On va aller lui faire un coucou quand même, parce que moi je l'aime trop. Petit PCO, myrtille. Allez là-bas. Bah ouais, mais je peux pas la reprendre. Coucou. Oh, je l'aime trop. Elle est tellement belle. Oh, mais pourquoi? Il y a plein de petits ours que j'ai pas et ils me mettent ceux que j'ai déjà. C'est pas juste. Je m'en fais les arbres, tiens. On va y arriver, hein. Bande muscu. Mais ouais, je sais, Lucas, elle est trop belle. Mais bon. Je veux des villageois différents sur mes îles. Au revoir, petite myrtille. Un super génial, il s'appelle Zavou. C'est trop mimi, Mantine. Après, j'aurais préféré que Zavou elle soit en petit ours et pas en grand ours. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. Allez, vous croisez tous les doigts en même temps et on s'en va. Et on tombe sur Laura et c'est magnifique. Cherche les oursons, les chiens et les loups. Bah c'est vrai qu'on a vu ni chien, ni chat, ni loup, ni lapin. Toutes les espèces que j'aime bien, on n'a rien vu ce matin. Il y a quoi d'autre? Bon, on a vu un koala, mais ça j'avais déjà. Ouais, mais c'est vrai que bah, c'est quand même un peu triste. Hein. Eh ben, on va très bien, Jérém et toi. On irait mieux si on arrivait à trouver un villageois, mais sinon, ça va. Hein. tickets pour tomber sur Croquette. Ah bah je l'ai aussi sur, je sais plus quelle île, Audrey. Ah non, pas Audrey, c'est le message dessus. Illyorka, pardon. C'est Laurie. On n'avait pas eu de pingouin encore. Ouais, et ben là je sais pas.
J'aime bien les pingouins, c'est pas ma préférée. Ouais, mais elle a une chouette maison, mais la maison, on l'aura pas, puisqu'elle est dans les maisons du départ. Je sens que je vais le regretter, hein. Je sens que je vais regretter de ne pas la prendre, mais je crois que je vais pas la prendre. Allez, je me sauve, va. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas de coup de cœur en la voyant. Je sais que j'aime bien les pingouins pourtant, mais. Non, j'ai pas de coup de cœur, je suis désolée, je m'en vais. Je m'en vais. Peut-être que je vais regretter, hein. Ça n'aura peut-être plus jamais rien derrière, mais. Allez, go. Bon, arrive sur mon île. Pas de soucis, mon île. Ça commence à faire une sacrée liste hein, que j'ai devant moi quand même. Ah, c'est gentil, Angèle. D'ailleurs, je l'ai peut-être aussi en cas, faudrait que je regarde. En tout cas, c'est gentil. On fait quoi là, les enfants? Parce que. Au secours, quoi. Juste au secours. Ils se foutent de moi. Pardon, je voulais pas te mettre un coup de pelle quand même. C'est encore Renata pour la troisième fois. Excusez-moi. Je la veux pas. Bonjour Constance. Bienvenue. N'hésitez pas pour ceux qui arrivent à vous follow à la chaîne. Je vous promets. J'ai pas un problème contre les grenouilles, hein, mais là ça fait trois fois qu'on l'a et je la veux pas quoi. Merci Constance pour le follow. Merci beaucoup. Ah, un plan. Je vais ramasser les pousses de bambou et puis on va repartir. Mais c'est vrai que c'est dingue, Aurore. Aurore, n'importe quoi, moi. Galou, c'est horrible. Je sais pas ce qu'ils me veulent, mais. Je crois qu'ils veulent à tout prix que je la prenne, celle-là. Hein. C'est un truc de fou. Pourtant, je la veux pas, quoi. Autant la première fois j'ai hésité, mais une fois que vous l'avez trois fois, vous. Non, je veux pas. Au moins, c'est clair et net, je la veux pas. J'avais une autre pelle, je crois. Ouais. Hop. Viens-toi là. Toi, viens là. Et on y va. C'est quand même incroyable hein, d'en avoir autant. Hein. On va redémarrer le jeu, change pas grand chose. Hein. Alors, je sais pas si sur les premières on est limité à un certain nombre et qu'après ils reviennent en boucle, mais. J'avoue, ça me fatigue. Je crois que j'ai pris toutes les pousses de bambou. Hein. Allez, on se casse. Au secours! Faites quelque chose! On est à 2h20 de stream, on n'arrive pas à trouver de troisième habitant quand même. C'est affolant. Allez, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que sur les 5 dernières îles, j'ai eu 3 fois Renata.
Ouais, j'ai l'impression aussi hein, que ça n'a pas changé grand-chose. Si on finit par avoir Renata, je vais la prendre et je la virerai avec un amiibo parce que elle me saoule. Je sais pas si elle veut pas me lâcher. Allez. Je sais pas moi, un chat, un chien, un lapin, un truc mignon, un petit ourson, un loup, quelque chose. Il propose toujours les caractères que l'on n'a pas, comme le premier campeur est un chic. Ouais, mais là j'ai que 2 habitants, donc il manque pas grand-chose, hein. Ah oui, je sais que je suis pas obligée, mais j'aime bien les prendre tout de suite. De toute façon, je vais me laisser encore un petit peu de temps, mais pas 3 heures non plus. Et puis si ça vient pas, ben, je continuerai dans l'après-midi. Ah, cacaoyer, ça c'est cool. C'est un oiseau. Et je crois que c'est le seul que j'aime bien, je l'ai déjà. Neige! C'est chou ça, non? Je m'attendais pas à voir. Ah, mais j'aime bien en fait! Je vous la remontre. Je l'ai jamais vue en plus! Mimi! Cœur, oui, chou, oui, elle est Mimi. Neige, oh, avec des cœurs. Oh, chou, je la prends? Oh, j'aime bien, je l'ai jamais vue. Ça, c'est de l'intérêt au moins. Un villageois jamais rencontré chez personne? Tu l'as, Biarritz? Ah, tu vois, je me rappelais pas. C'est ça ou la grenouille? Bah, je crois qu'on va prendre Neige, hein. Elle va fondre comme neige au soleil. Oui! Eh ben voilà! Elle est excellente en plus. Eh ben voilà. Ah, oh, j'aime bien, ouais, elle est rigolote. On a trouvé l'objet? Oui, on a trouvé l'objet. Hein. Elle est trop marrante. Eh ben voilà, comment dire? Je vais vous redire ça. Hein. Neuf tickets Milesonok. Ça va, il hein, y a des gens qui font bien pire. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment dépensé 300 tickets Milesonok pour avoir un personnage. Ouais, les secondaires ont fini par payer. Et on a réussi. Mais grave, Constance, je ne connaissais même pas ce personnage. Je l'avais jamais vu en visite d'île, jamais vu en recherche d'île. Je ne l'ai pas dans les cartes. Bah, je suis super contente du coup parce que c'est vraiment un personnage que je connaissais pas du tout. C'est un petit peu ça que je cherchais au final, un petit coup de cœur pour un perso que je connais pas. Hein, ma petite Luna? Je vais ramasser ce qui traîne là. Ah, ça fait du bien un petit peu des personnages qu'on connaît pas. Et ben du coup, comme on va être à 2h30 de stream, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été alors, super nombreux du début à la fin et d'avoir bien encouragé les petites recherches de Luna. Je vais continuer ma petite vie et puis je pense que ce refera une ou deux. Chasse à l'habitant, comme ça peut être toujours sympa. Moi, j'aime bien. C'est plus sympa de le faire ensemble que toute seule. Alors, encore une fois, je vous fais tout plein de gros bisous, les copains. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon dimanche après-midi, une bonne semaine pour ceux qui vont reprendre le boulot demain. Je vous fais tout plein de bisous et à très vite!
Merci, merci.